Waouh, c'est extraordinaire. Où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui? On se trouve tout simplement sur Nyansruibane. Aujourd'hui, nous faisons la partie 2 de cette vidéo extraordinaire sur comment reconnaître un sorcier ou encore comment attraper un sorcier. Attention, c'est tous abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, mes frères et sœurs, faites cliquer là-dessus parce que ce genre de choses sont vraiment tellement compliquées. Et parce que vous devez vous abonner pour qu'on en parle plus en détail dans la prochaine vidéo. C'est la partie 2, il y aura sans doute une partie 3. Comment est-ce qu'on attrape un sorcier? D'abord, nous devons nous poser des questions, certaines questions. C'est quoi la sorcellerie? C'est qui un sorcier? Et puis, comment reconnaître un sorcier? Répondons à la première question. Qu'est-ce que c'est que la sorcellerie? Selon le dictionnaire Larousse, la sorcellerie, c'est l'art de lancer des sorts. C'est l'art de lancer des malédictions. Ça veut dire qu'une personne se lève un matin et elle vous voit en train de marcher. Et elle vous lance un sort. C'est comme de la magie. Waouh, c'est extraordinaire. Donc, la sorcellerie, c'est l'art de lancer un sort. Et qui est un sorcier? C'est qui le sorcier alors? Le sorcier là, c'est une personne, riche ou pauvre, noir ou blanc, qui a livré d'abord son esprit à Satan. C'est une personne qui a reçu après un autre esprit, que l'esprit du diable ou encore un démon. Il a reçu un putain de démon en lui ou en elle. Est-ce que vous comprenez? Et cette personne-là, depuis qu'elle a reçu ce mauvais esprit ou encore ce démon-là, elle ne pose plus de bonnes actions. Toutes ses actions sont mauvaises parce que la chose qui la dirige, la chose qui est en elle désormais, ce n'est plus elle, mais c'est plutôt une autre chose qui est contraire à l'Esprit de Dieu. Ça veut dire qu'en ce moment, l'Esprit de Dieu a été enlevé dans cette personne qui est sorcière. Et c'est l'Esprit du démon qui est là. Et tout ce qu'elle va faire, ce sera des choses mauvaises et des crimes. Parce que cette personne a aussi été préparée pour un travail qu'elle va effectuer, celui de livrer des âmes ou encore des sacrifices humains à Satan. C'est ça un sorcier. C'est ça un sorcier en clair. Hey, c'est une telle personne que toi tu veux attraper. C'est une telle personne que toi tu veux te couvrir. Tu veux savoir qui est cette personne. Je pense que c'est pas mauvais. Tu as bien fait. Parce que si tu ne sais pas qui est ton ennemi, ce sera difficile pour toi de le combattre. Comme vous le constatez, on nous a dit qu'un sorcier, c'est une personne qui a tout simplement livré son esprit à Satan. Ça veut dire que cette personne n'a plus l'esprit de Dieu, mais elle a reçu un autre esprit. Ça veut dire que c'est cet esprit qui est en elle, en la personne, qui fait que cette personne est devenue mauvaise, ou encore une sorcière. Donc pour pouvoir attraper ou encore détecter ce sorcier-là, il faut impérativement avoir quelque chose de spirituel en soi. Ça veut dire quoi? Toi, tu dois être spirituel. Tu dois utiliser un détecteur spirituel pour pouvoir détecter qui est ce sorcier en question que tu dois attraper. Et ce détecteur spirituel, ce sont les yeux spirituels. Il y a les yeux spirituels
Il y a Dieu qui nous inspire, qui nous parle, qui nous révèle la véritable identité des sorciers. Quand on prie, même en songe, Dieu peut te révéler qui est un sorcier. Oui, moi aussi, il y a une chose qui ne trompe jamais. Ce sont les actions. Les actions posées par cette personne seront toujours contraires à ce qui est normal. Même si cette personne-là peut être cachée derrière le mal et le bien. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un sorcier, il peut faire le mal, mais camoufler le mal qu'il fait au travers du bien qu'il donne. Ça veut dire que par exemple, si un sorcier, c'est un artiste, c'est un chanteur, et qu'il chante, là c'est un exemple facile à comprendre, et qu'il chante pour pervertir la société, pour pousser les humains, ou encore les jeunes, à la violence, si c'est un sorcier qui fait ça, pour pouvoir camoufler ce qu'il fait là, il va faire des dons aux orphelinats pour cacher son crime. Ou les choses mauvaises qu'il fait contre le bien-être de la société. Est-ce que vous comprenez? Là, vous comprenez mieux. Voilà. Une telle personne qui est cachée derrière le bien et le mal, on a du mal à découvrir qui elle est réellement. Sauf ceux qui ont l'esprit de Dieu. Ou si et seulement si elle-même, elle décide de se confesser. Et elle peut vous dire ouvertement qu'elle est une sorcière. Oui. Si vous attendez un jour un homme se lever et dire « J'ai vendu mon âme au diable », c'est que cette personne-là, c'est un agent du diable. C'est plus qu'un sorcier. À ce niveau, on n'a plus besoin de le détecter. Les choses sont claires. Et nous devons vous dire également que les sorciers se reconnaissent entre eux. Quand un sorcier voit un autre sorcier, il se salue. Il peut même s'asseoir en train de rire. Il peut même s'asseoir, il s'échange. Ils peuvent même sortis de leur corps là où ils sont assis là et puis ils font tout ce qu'ils ont envie de faire. Et nous devons absolument savoir qui sont les sorciers. Et s'il vous plaît, n'ayez surtout pas peur des sorciers. N'ayez pas peur d'eux. Si vous avez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, sachez que vous avez déjà avec vous le grand pouvoir, la grande protection. C'est la protection là qu'il vous faut contre les sorciers. Mais si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie et que vous marchez sans protection, alors là, tremblez. Tremblez. Mais je préfère vous dire d'accepter le Seigneur Jésus-Christ maintenant et ne tremble pas. Soyez fort. Soyez fort. Et le sorcier, on vous a dit qu'il offre des sacrifices au diable. Si il y a un sorcier dans ta famille, dès que la fin de l'année va venir, vous lui demandez de faire un sacrifice à Satan. Ça peut être tes études qu'il va envoyer. Ou bien ta vie qui va prendre. Mais toi, fais attention. Mais toi, fais attention. Je vous parle de quelque chose. C'est à ce moment-là, ça devient grave. Parce que si vous ne savez pas si qui est un sorcier, qui il est, qui est le sorcier qui se trouve dans votre famille, si vous ne l'avez pas détecté en premier, au moment où vous allez le détecter, là, il a fini de sacrifier tous les membres de la famille. Parce que c'est la sorcellerie, c'est une chose qui détruit la vie de beaucoup de familles. C'est même la chose même qui refuse aux jeunes aujourd'hui de travailler. C'est la chose qui ne veut pas voir les jeunes réussir. La sorcellerie,
combat tous ceux dont l'étoile brille. Et le diable utilise beaucoup la sorcellerie aujourd'hui dans ses opérations. C'est pourquoi, pour commencer, nous allons parler de la sorcellerie. Qui est un sorcier? Et comment détecter, comment attraper un sorcier? Ici, toi, mon frère, tu dois commencer à prier. Et demander à Dieu de te révéler qui est le sorcier de ta vie. Qui est l'ennemi que le diable a placé à côté de toi, qui est une menace pour toi, qui est une menace pour tes enfants, qui est une menace pour toute ta famille. Quelle est cette personne? Il faut que tu y arrives à découvrir qui elle est. Et toi, ne combats pas cette personne physiquement. Ça veut dire quoi? Tu peux t'endormir et tu vas te montrer en songeant le vrai visage de ton ennemi ou encore du sorcier là. Ne le combat pas physiquement. Comment Dieu révèle aux humains qui sont les sorciers? Dans une famille, un jour, quelqu'un est devenu sorcier. Et cette personne-là, c'était le deuxième ou le troisième fils là. Il était là, mais il avait une soeur qui était derrière lui, qui pouvait carrément suivre ses activités. Et les deux échangeaient bien, ils causaient bien, parce qu'ils se suivaient. Un jour, cette soeur-là, sa soeur-là a eu un songe. Et ce songe-là, elle a eu répété le songe, elle a eu le songe trois fois. Dans la première fois, elle a vu son grand frère. Et son grand frère, ce jour-là, il avait la tête de chat et le corps d'un homme. Quand elle s'est rendormie, elle s'était réveillée d'abord, elle s'est rendormie. Quand elle s'est rendormie, elle a vu encore son grand frère avec la tête de chat. La même image est revenue la troisième fois et elle a raconté cette histoire à son grand frère. Lui, il était un sorcier et elle ne le savait pas. Mais Dieu lui savait tout. Il lui a tout révélé afin qu'elle puisse tout simplement voir quel est l'état d'âme de son grand frère, de celui-là même qu'elle appelle son grand frère. En fait, c'est un sorcier. Et celui-là même, quand il veut faire des sorties, il veut faire des opérations mystiques, il veut attaquer quelqu'un. Il a l'habitude de se transformer en chat. Et elle a pu voir ça. Et c'est ce que Dieu lui a révélé comme ça. Mais elle ne le sait pas. Si vous avez des songes, demandez à Dieu de vous révéler qu'est-ce que ça signifie. Et Dieu révèle des songes à tout le monde, que vous soyez bon ou mauvais, chrétien ou pas. Ne négligez pas ça. D'avoir sommeil, Dieu peut tout vous révéler sur qui sont les sorciers de vos familles et quelles sont les opérations. Si c'est temps, si vous dormez, que vous voyez que quelqu'un enchaîné, ça dit que vous voyez un animal qui est enchaîné à un arbre, sous un arbre, sachez qu'il y a quelqu'un dans la famille qui sera sacrifié. Ça peut être vous-même. Mais il y a quelqu'un que les sorciers ont déjà attrapé, qui veulent sacrifier. Maintenant, ils veulent achever la mission. C'est maintenant de courir, c'est maintenant de courir vers les vrais hommes de Dieu, afin qu'on puisse prier et découvrir qui est cette personne qui est attachée. Qui est cette personne qui est attachée là? Et qui l'a attachée? Pourquoi il l'a attachée? Et quand ils vont l'achever? Parce que tout ça, c'est décrit. Et il y a une date qui a été choisie. La situation dans laquelle la personne va mourir, tout ça, ça a été choisi. Tous ces éléments-là sont là. Et bien positionnés devant vous comme ça. Vous devez savoir tout ça. Et vous pouvez regarder les témoignages puissants précédents, même les témoignages puissants qui vont venir, pour savoir comment ça se passe. Ces choses-là ne sont plus cachées pour nous. Nous devons vous les révéler parce que nous entrons dans la fin de l'année. Est-ce que c'est pas beau ça? Si c'est extraordinaire, clique sur j'aime et applaudis. C'est extraordinaire. On te dit que tu vas finir par découvrir qui est à la base de ta souffrance. C'est que tu es déjà libéré. Parce qu'au fur et à mesure que tu découvres qui est le sorcier, son pouvoir diminue. Sa force diminue comme ça. Il n'a plus de pouvoir sur toi. Il n'a plus de pouvoir sur tes affaires. Il n'a plus de pouvoir sur tes affaires. Et il est dans les problèmes parce que Dieu a décidé de te révéler sa véritable identité. Et il va trembler, mes frères, sauter un peu. C'est extraordinaire. Yeah! Si vous êtes content, cliquez sur j'aime, partagez cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour la prochaine vidéo. Nous serons en live tout à l'heure.
vous pouvez recevoir la notification ou pas. Restez connectés sur Bien Sur Bonne, tout est possible. Que Dieu bénisse pour le soir. Prenez soin de vous.